devoir sortir pour aller dîner. Pas de problème, je vais t'attendre. Oh non, 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 John. Je prendrai un taxi. Avec cette moto. Hier soir, lorsque le député UDF du Var, Yann Pia, a été abattu de plusieurs balles par deux hommes à moto près de son domicile à Hyères, victime d'un contrat exécuté par des professionnels, l'élu du Parti Républicain n'avait en fait aucune chance d'échapper à la mort. Élus et citoyens n'ont pas caché leur colère, leurs inquiétudes aujourd'hui dans le département du Var, beaucoup stigmatisant un climat particulier dans la ville de Hyères. Claire Thébain. Alors, tiens, le groupe des députés FN en 86. Pia est à côté de Le Pen, c'est la seule femme. Et j'ai tout ça aussi pour toi. Bonjour madame. Je voudrais voir monsieur Pascal Feli, s'il vous plaît. Ne bougez pas, je l'appelle. Venez. On va jouer encore longtemps au chat et à la souris? Pourquoi vous refusez de me prendre au téléphone, monsieur Feli? J'aime pas qu'on mette la pression. Et puis j'aime pas vos slogans xénophobes. Et puis si vous voulez me parler, vous revenez sans vos pitbulls. Allez boire un café, je vous rejoins. Je m'assois? Je
Je ne vous demande pas d'adhérer au Front National. Juste d'informer vos lecteurs, hein, comme vous le faites pour n'importe quel autre candidat. Mes sympathisants ne savent même pas où je tiens mes meetings. Ça s'appelle la démocratie. N'employez pas des mots trop compliqués. Finalement, Le Pen a raison quand il dit que les médias sont aux ordres. Vous savez, je me représente comme députée d'un parti qui n'est pas illégal. Pas encore. Mais il l'a été quand il portait un autre nom. Oh, quelle mauvaise foi. Je vous fais peur. Vous savez, il y a des gens très bien au FN. Des pères de famille pieds noirs qui ont tout perdu. Des notables, tout à fait respectables. Bonjour. Bonjour. Je passe vos infos, mais rien d'autre. Hein, pour la propagande, la publicité gratuite, vous vous adressez ailleurs. Merci. Tu me recouvres tous ces gros enculés du socialiste. Et là, c'est bon. Avec vous. Ah, parfait. Nous sommes avec vous. Merci, et puis, merci. Comptez sur moi. Merci. Alors, ça se passe bien? Ouais. Allez, vas-y. Allez, vite, dépêchez. Encore une. Allez, on bouge, les gars. Allez, on bouge. Donne-moi les chiffres. Allez. On est passé devant les socialistes à la gare. Les voix, le JDF a marché, hein, ils ont joué le jeu, bravo! Ouais, ça devient pourtant bien arraché la gueule, hein, c'est un kiff d'enfoiré, là! Et Marseille? Marseille? À Nice, à Marseille, on en est où? À Nice, l'IDF est en tête! Hé, hey, l'IDF est en tête à Nice, grâce à qui? Draguignan? Et pour Le Pen? Ça marche pas? Draguignan passe en tête. Et dans notre circonscription, j'ai un score provisoire de 52%. Madame Pia du Front National vient d'être réélue députée dans la troisième circonscription dont dépend la ville de Hyères avec 51,73% des voix. C'est un beau succès. Merci, merci Monsieur le maire pour votre accueil. Je voulais remercier aussi Monsieur Maurice Arex, qui m'a accueilli depuis 2 ans comme conseillère régionale et m'a accordé le soutien de l'UDF à la dernière minute si généreusement. Plutôt le Front National, surtout lorsqu'il est représenté par une si charmante personne que les socialistes. Et merci avant tout à Monsieur Joseph Cercia, qui a accepté de se désister en ma faveur au deuxième tour et a permis cette victoire. Et Jean-Pierre Sirbois ont eux aussi été battus. C'est une surprise pour vous? Ça vous fait quoi d'être la seule rescapée du Front National? Madame Pia, comment comptez-vous faire maintenant, seule, sans le soutien d'un groupe à l'Assemblée? Alors, c'est un peu trop tôt pour en parler. Yann, vous pouvez marcher vers la terrasse, s'il vous plaît? Là? Oui, s'il vous plaît. Oui, voilà, merci. Voilà, très bien, oui. Vous pouvez bouger, s'il vous plaît? Oui. Bouger. Oui. Vos filles peuvent nous rejoindre? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, Sophie, Marion, venez.
Ils sont un petit peu intimidés. Oui, Yann, s'il vous plaît. Yann, est-ce vrai que Le Pen est votre parrain? Il y a une rumeur sur laquelle il serait en fait votre père. Non, non, je l'ai connu quand j'avais 5 ans. C'était un très bon ami de ma mère. Ils ont été ensemble en Indochine, dans l'armée. Il vous a appelé pour vous féliciter? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est pour Jean-Marie Le Pen que je me suis battue. Et ma victoire, c'est à lui que je l'offre. Pourquoi il n'appelle pas, merde? Allô? Stirbois à l'appareil. Bonjour Jean-Pierre. Je suis contente de vous entendre. Félicitations pour votre score. Merci. Désolée pour... Pas autant. Comment va Jean-Marie? J'arrive pas à te joindre. Il veut que je vous transmette ses consignes. Pas question que vous passiez le moindre accord avec l'UDF et le RPR. La droite, c'est le premier ennemi à abattre. Je croyais que c'était la gauche. On s'en occupera après. Tout sur le rejet de l'immigration. Le Pen ne croit pas à l'égalité des races. 30% des Français pensent comme lui, que la France doit rester aux Français. C'est cela que vous devez séduire. La séance est ouverte. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif au revenu minimum d'insertion. La parole est à monsieur le ministre de la Solidarité. Aujourd'hui, les pauvres sont des chômeurs de longue durée, qui de plus en plus nombreux n'ont aucune indemnité. Des femmes seules sans emploi, mais également des familles entières, tombent dans la précarité. Alors, c'est pas sublime? Voilà. Ça vous plaît? C'est la première fois que j'aurai une maison à moi. Monsieur Durafour et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu. Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Durafour crématoire, un vocabulaire auquel Jean-Marie Le Pen semblait avoir renoncé, mais écarté de la tribune de l'Assemblée. Signez-vous. Vous en pensez quoi? C'est honteux. C'est nul. Je vous sers un café? Oui, merci. Pour être respecté, un parti doit être respectable. Ce qui vient de se passer, c'est honteux. Et pour le RMI, quelle est votre position? Il aurait mieux valu l'accompagner d'un travail d'intérêt général. Ça aurait été une meilleure réinsertion, mais franchement, c'est mieux que rien. Et vous voterez pour alors? Oui, bien sûr. Même si Stirbois a déclaré le contraire à l'AFP? Il a parlé de la ligne générale du FN? Il a dit Madame Pia a décidé de s'opposer au RMI. Pas question de filer du pognon aux immigrés, même s'il travaille en France depuis des années. C'est une interview officielle. Sortez votre magnéto, alors. Vous voterez pour le revenu minimum d'insertion, Madame la députée? Oui, bien sûr. Je crois qu'un député doit agir selon ses convictions. Moi aussi, j'estime que les Français devraient être privilégiés. Mais j'ai à cœur de ne pas décevoir les gens qui sont venus me voir dans ma circonscription du Var parce qu'ils n'avaient plus rien. Parce qu'ils ne savaient plus vers qui se tourner. C'est un sacré bras d'honneur à Le Pen. Pourquoi vous démissionnez pas? Je préfère attendre qu'il me vire. De toute façon, ça va pas tarder, hein, quand cette interview paraîtra. J'ai aimé Jean-Marie. J'ai détesté Le Pen.
Adieu, parrain. Je voudrais qu'on voit deux ou trois choses ensemble. Maurice, je peux te parler en privé? Ah, attends, que c'est en privé, je suis partant. Oui, mais là, tout de suite, j'ai un dîner d'affaires. On peut se revoir un jour, ma belle. Non, mais j'en ai juste pour une minute. Florence va rejoindre les autres restaurants. J'arrive. J'entends dire un peu partout que je suis rayée d'office pour les régionales. C'est vrai que je suis pas sur la liste horizontale? C'est Certia qui veut ma peau? Mais non. Dis-moi pourquoi je suis rayée de la liste des conseillers. C'est parce que je viens du Front National, c'est ça? Mais attends, tout le monde sait que je l'ai quitté pour des divergences de fond. Je suis fière d'être avec vous à l'UDF. Je me bats avec vous. C'est vous ma vraie famille politique. Ma petite Yann, je ne veux pas me mêler de ça. Tu es le président du Var. Tu es le leader de cette liste. Tu peux m'appuyer. Si tu ne me soutiens pas pour cette élection régionale, c'est comme si tu me désavouais, comme si l'UDF me désavouait. Tu sais très bien que ça va me pénaliser l'année prochaine pour les législatives. Je regrette, Yann, mais je n'ai plus rien. Tu n'as pas de réelle légitimité dans ce département. Pas de légitimité? J'ai adhéré à l'UDS? Non, ça fait des années que je suis au Conseil Général. Oui, mais tu y es entré en tant que frontiste, tu es marqué à l'extrême droite. C'est quoi ce délire? Quand tu as quitté le FN, tu aurais dû abandonner tes mandats et te faire réélire sous l'étiquette UDF. Tu as préféré ne pas prendre ce risque, c'est ton droit. Tu le paies maintenant. Je croyais que tu avais un peu d'amitié pour moi. Mais j'en ai beaucoup. Monsieur Blondal! Monsieur Blondal! J'aimerais m'entretenir avec vous. Ou alors on peut prendre rendez-vous. Demain, ça irait? Ah, désolé, demain je pars en voyage. Si je crée aux élections régionales une liste sans étiquette, une liste qui représente la société civile... Vous n'êtes pas sérieuse? Qui vous soutiendrait? Vous, peut-être. Vous avez de l'influence à la Chambre du Commerce? Vous n'êtes pas marqué politiquement. Vous êtes un industriel important. Je serais très honorée si vous acceptiez de me seconder. Vous faites un enfant dans le dos de l'UDF? Ou c'est l'UDF qui m'en fait un, ça dépend de quel côté on voit les choses. Vous appartenez encore à ce parti politique, Madame Pia? Vous n'êtes pas un électron libre? Non, juste une femme libre. Ce qui est très mal vu au Conseil, ils sont tellement misogynes. Je cherche des alliances ailleurs. J'ai mes chances avec vous? Ce n'est pas ma tasse de thé, les manipulatrices en talons aiguilles. Je vais y réfléchir. En attendant, vous pourriez me recommander à un de vos amis financiers? Je crois que je connais quelqu'un à Marseille. C'est bien que vous les ayez. Oui. Ange Raspberry, enchanté de vous rencontrer, Madame Pierre. Je vous présente mes associés. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je présente Philippe Giraud, mon attaché de cabinet. Messieurs, bonjour. Je me suis permis de commander. Vous aimez le poisson? Ah, c'est parfait. J'ai pas bien compris le nom de votre société au téléphone. Vous fabriquez quel genre de produit? Ah, mais je ne fabrique rien. Je suis ce qu'on appelle un intermédiaire, un facilitateur d'affaires. Ah. Je vends des services. Des gens très puissants, en effet, m'honorent de leur confiance. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis flattée que vous désiriez m'apporter votre concours, merci. J'ai besoin de trouver des fonds pour éponger les dettes de ma précédente campagne et préparer la nouvelle. Combien? Près d'un million. Vous pouvez offrir quelle garantie? Si je gagne, j'aurai le soutien de l'UDF à Paris. Ne vous faites pas d'illusions sur vos appuis parisiens. Vous vous êtes fait des ennemis sur la côte. Mais qui n'a pas d'ennemis, monsieur Raspberry? Ils sont sur place depuis plus longtemps que vous, et ils sont très influents. Je n'ai pas de fortune personnelle. Je n'ai que mes salaires de député et de conseiller régional. Autant dire rien. Et si vous perdez les élections? Je peux toujours hypothéquer ma maison. Oh, ce serait dommage.
Il y a d'autres solutions pour s'assurer l'avenir et se débarrasser de ses adversaires. Vous ne croyez pas ? Je ne comprends pas. Pour 100 000 francs, pourriez-vous offrir un peu de tranquillité ? C'est certainement dans vos moyens. Je crois qu'il y a un malentendu. Ce n'est pas du tout pour cette raison que j'ai souhaité vous rencontrer. Excusez-moi, je vous ai fait perdre votre temps, mais notre ami commun ne m'avait pas parlé de vous dans ces termes. Pourquoi les mecs ils bossent encore si le chantier est fermé? Mais la fermeture n'est pas encore votre fermeture. Bonjour, d'accord. Monsieur. C'est votre secrétaire qui m'a dit que je vous trouverais ici. Excellent. Merci. Je reviens plus tard, hein, d'accord? Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi. Pardon de vous déranger. Non. Mais en fait, j'arrête pas de repenser à cet article que vous avez écrit sur l'assassinat de l'adjoint au maire de la Seine. Perrin, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous croyez qu'un jour on saura qui l'a tué et pourquoi? Je pense qu'il gênait pas mal de monde. Il savait des choses. Au conseil général aussi, il gênait. Pourquoi vous me demandez ça? Les dossiers n'avancent jamais. Maintenant, Arex me débarque. Je veux savoir pourquoi. Arex, il s'intéresse en priorité à des dossiers qui sont intéressants pour lui. C'est un ripou, il s'en cache pas. J'ai découvert qu'un proche d'Arex avait été engagé à la mairie pour contrebalancer le pouvoir de Perrin, un an avant sa mort. Et c'était aussi un ami de Farjette. Vous voyez qui c'est, Farjette? L'ancien parrain du Var. Ouais. Vous connaissez un certain Raspberry? J'aimerais bien savoir où je mets les pieds avant de le rencontrer. Attendez. Vous voulez rencontrer Raspberry? Mais vous marchez sur la tête. C'est un mafia, lui aussi, c'est ça? Mais c'est un copain de Farjette. Mais je comprends pas. Farjette s'est enfui en Italie pendant son procès. Ça fait des années qu'il n'est plus en France. 9 ans. Ça n'empêche pas de contrôler tout le département. Vous voyez comment il est, Raspberry? C'est un petit gros, il a l'air de rien comme ça. Il vit dans une HLM et en fait, il est très, très riche. Tous les qui m'aident à monter une liste contre Arex pour lutter contre la corruption. C'est drôle, hein? Non, Arex et Farjette, ils sont comme cul et chemise. Farjette, il faisait son service d'ordre quand le vieux était maire de Toulon. Ça va? Merci pour les tuyaux. Faites attention à vous. Je sous-signais Yann Pia, saine de corps et d'esprit, accuse, en cas d'accident mortel sur ma personne ou autre suicide, messieurs Arex, Farjette. Je vous ai préparé une question sur les centres de soins et l'hébergement des toxicomanes, et puis j'ai pensé que vous aimeriez reparler des peines applicables au meurtre d'enfants. Très bien, je verrai ça plus tard. Vous voulez bien garder ça dans votre bureau? Mais peu hiérarchisé. Donc, l'appréciation de l'efficacité doit être le fil conducteur d'une politique globale qui est le ferment de la dynamique économique et sociale souhaitée. Monsieur le Roi, je voudrais faire partie de la commission sur les risques de la pénétration de la mafia en France. Si j'intègre la commission, ça me donnera plus de poids face aux politiciens véreux. On n'est pas du même bord, vous et moi, vous êtes socialistes. Mais dans votre équipe, je sais qu'il y a des députés de tous les partis politiques. Laissez-moi faire partie de cette commission. Très bien, je vais voir. J'ai pensé qu'on pourrait construire le port là-bas. La marina irait de là jusqu'à la Pinède. Une société de Chicago veut s'implanter ici, sur la presqu'île. C'est un gros marché.
Mais il faudrait creuser un canal, ça éviterait aux plaisanciers d'avoir à faire tout le tour. Bonne idée. Idéal, ce serait que la municipalité rachète les terres de la Société des Salines du Sud et les traite avec les Américains après. On va avoir un problème avec notre excité. Elle soutient les sauniers. À chaque réunion du conseil, elle nous tanne pour qu'on fasse quelque chose pour eux. Elle va nous foutre dans la merde, elle peut avoir accès au dossier. Pas si elle ne fait plus partie du conseil général. Après les élections régionales, ce sera réglé. D'ici là, on la boucle, on bouge pas, tant que les salles n'ont pas fermé. Les Américains nous laissent le choix des entrepreneurs. Si on se débrouille bien, on peut obtenir une com de 10%. On n'est pas bien? Moi, je comprends que vous soyez sceptique parce qu'on vous a beaucoup baladé avec des discours politiques. Mais moi, c'est ma région et je la connais. Et j'aime ce pays. Hein ? J'ai passé mon enfance et j'y suis revenue adulte parce que j'ai envie de défendre cette région. J'ai envie de défendre l'identité culturelle de hier et les Salins en font partie. On peut parfaitement retrouver un repreneur pour les Salins. C'est possible. Moi, je vous laisse pas tomber. Personne ne sera licencié. Mais c'est fini, le sel. C'est plus rentable. Tout ce qui les intéresse, c'est le terrain, maintenant. Eh bien, moi, je vous promets qu'on n'en fera pas un terrain de golf, ni un parc d'attractions. Ça, je m'y oppose, mais formellement. Mais non, on va en faire des immeubles de luxe, alors, voilà. Eh ben non, il n'y aura pas de spéculation immobilière. Je m'y oppose. Moi, je ne me présente pas avec Cercia Iritonda, le régional. Je leur fais pas confiance. Eux, c'est discours et compagnie. Je crée ma propre liste, et comme ça, j'aurai plus de poids pour vous défendre au Conseil Général. Parce que c'est au Conseil Général que tout se passe. C'est des promesses aussi. Non, pas du tout. Il faut que les Salins restent à ceux qui y vivent, qui y travaillent. On va pas se laisser faire. On va se battre. On va se battre. Je suis de votre côté. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Oui. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Oui. Je reviens vous voir. Au revoir. Hein? Personne ne sera licencié. Je vous laisse pas tomber. Bien. Que la Sainte Vierge vous protège, vous et ce que vous aimez. Merci. Merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que c'est joli, cette médaille. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est sérieux, cette liste indépendante? Ah oui, tout à fait sérieux. Vous pouvez le publier. Et vous allez respecter les délais. Très bien, à bientôt, au revoir. Elle viendra plus, elle a oublié. C'est toujours pareil avec ta sœur. Pendant les vacances, ma prof a organisé un stage de danse de 5 jours, je peux m'inscrire? Tu vas pas chez ton père? C'est dur que 5 jours, je peux y aller après. Alors, c'est oui? Oui, si j'ai d'accord, je suis d'accord. Je veux absolument que ça paraisse demain matin. Var Matin va évoquer la création de notre liste. Ça t'intéresse ce que je te raconte? Sympa, hein, pour une fois qu'on mange ensemble. Quoi? Vous notez? La décentralisation n'a fait qu'installer de nouvelles féodalités. Ça t'étonne pas que Marion a pu en venir, hein? Ça fait 15 jours que tu l'as pas vu et t'en as rien à foutre. Le pouvoir est aux mains de dinosaures politiciens dont le premier souci est de conserver les choses en l'état. Les combines ont été érigées en système. Nous nous voulons différents d'eux, c'est pourquoi nous présentons une liste dissidente. Une liste fantôme, oui. On n'a même pas un début de financement. On s'en fiche. Et débrouillez-vous pour qu'on ait l'air d'être déjà nombreux, mais sans avoir à citer de nom. Bon courage, Philippe.
Pardon. Marion. Allez, Marion, debout. Debout. Plus durer. Faut que tu te soignes. Je te ramène à la maison. Je te demande pas ton avis, tu rentres. T'approche pas. C'est toi qui m'as viré de la maison il y a 2 ans. Tu m'as viré. Alors maintenant, c'est trop tard. Pour que tu me vois, pour de vrai. Ça te fasse mal. Tu vois pas que des salauds se servent de toi contre moi, et toi tu te laisses faire. Tu crois que tu te détruis, mais non, c'est moi que tu détruis. C'est toi. C'est toujours toi. Tu sais ce que c'est qu'être une mère. Merde. Où tu vas? Je vais là où tu seras pas. Ça n'a pas l'air d'aller. La nuit était dure. Marion. Elle traînait avec mon garçon hier. Bon, encore taxé du fric pour sa dope. T'es pas rentré ce matin. J'ai pas vu ton fils, Joe. Ne me demande rien. Je sais pas où. Bonjour. Bonjour, messieurs. Madame Pia. Madame Pia. Vous préférez Madame la députée. Je viens vous proposer un arrangement. Vous vous y attendiez, j'imagine. Ah. On n'en est plus à tuer à toi, hein? Nous ne désirons pas vous porter préjudice. Une femme seule, comme vous, avec 2 filles à charge et une maison à payer. Si vous retirez votre liste régionale, le Conseil général vous commandera une mission sur la toxicomanie dans le Var. Vous serez rémunéré 12 000 francs par mois. Je sais que vous avez très à cœur la lutte contre les trafiquants de drogue. C'est bon. Pas d'hypocrisie, hein? On est entre nous. Vous venez d'autoriser la réouverture du casino. Ça vous semble pas un peu contradictoire? Le casino, c'est la plus grande lessiveuse du Var. Pour nettoyer l'argent sale, l'argent de la drogue. Vous vous trompez. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai des enfants, moi aussi. Si vous acceptez, vous aurez carte blanche. Carte blanche. Mais vous engagez à me soutenir au régional et au cantonal? Je me retire. À condition que vous ne vous présentiez pas contre moi dans 1 an aux législatives. Donnant, donnant. C'est d'accord. Vous avez ma parole. Après tout, nous jouons tous dans le même camp. On vous soutiendra, le moment venu. Dans ce cas, vous ne voyez pas d'inconvénient à valider cet accord par écrit. Je donnerai au président du DF à Paris, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Geneviève ? T'as envie de connaître ta grand-mère? Elle vit encore? Le Pen m'avait donné son adresse. Quand j'ai revu Le Pen la première fois, je pensais pas du tout faire de la politique. Je voulais juste la retrouver. C'est drôle la vie, non? Le Pen m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a accueilli chez lui, mais j'ai jamais revu ma mère. Il l'avait perdue de vue quand elle était dans l'OAS. Elle a été arrêtée. Elle a fait de la tôle. Elle vit à Paris. Je lui ai écrit 2 ou 3 fois. Elle ne m'a jamais répondu. Pourquoi tu veux la revoir maintenant? Ça fait combien de temps que vous vous êtes plus vus? J'avais 7 ans la dernière fois. Alors? Tu es avec moi? Et le collège? Bon. Il fera un mot d'excuse au retour. C'est très doué pour inviter ma signature. Est-ce que vous avez reçu l'accord que j'ai passé avec Arex et Sarcy? Il n'y a aucun problème. Tout ce que je veux, c'est qu'on ne perde pas une seule voix dans le Sud. Bien sûr.
Mais comment je pourrais savoir de manière officielle que c'est bien moi que l'UDF choisit pour les législatives de 93? Pour vous aider à faire campagne, on prend vos dettes en charge. Ça vous va? Ah oui, ça m'enlève un grand poids. Merci, Jean-Claude. Ils vous en font baver là-bas, hein? Oh, je suis plus coriace qu'eux. Vous êtes Anne Berthaud? Je m'appelle Sophie Pia, je suis votre petite fille. Je n'ai pas de petite fille. Je suis la fille de Yann. Je suis très occupée en ce moment, je ne peux pas vous recevoir. Bonjour maman. T'as pas changé? Je peux entrer? Je peux te parler juste un instant. Je n'ai rien à vous dire. Je regrette. Maman, attends. Jean-Louis. Je peux pas prendre parti officiellement contre Yann Pierre. Oui, je sais. Elle a fait faire un article dans Var Matin pour dire qu'elle avait l'investiture UDF aux législatives. Et alors? Hein? Moi, c'est Cercia, mon candidat. C'est lui qui a mon investiture. Elle est morte. Tu m'entends, Maurice? Cette bonne femme n'existe plus. Sinon, tu vas voir qu'après, elle va vouloir la mairie de hier, et là, on va être sacrément emmerdé. On pourra plus faire un pet de travers sans l'avoir systématiquement sur le dos. Comme j'ai pas l'intention de passer ma vie en Italie, tu me la dégages de là. Moi, je demande pas mieux qu'on se débarrasse d'elle. Tu penses bien. Mais Jean-Louis, il peut pas y avoir deux listes UDF. Ça va me retomber dessus. UDF, mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'UDF, moi? Tu lui colles l'étiquette que tu veux, c'était salade, ça. Moi, je paye la campagne de Cercia. Et c'est sa tête à lui que je veux voir sur tous les murs. Compris? Je t'embrasse. Ciao. Pourquoi? La salope s'est mise dans une commission anti-mafia. Maintenant, ils vont regarder à la loupe les opérations immobilières de Marseille à Monaco. Oh putain, je vais me la faire. Bon, on va la mouiller, cette pétasse. T'appelles les journalistes. Tu leur dis que t'as plein de photos d'elle en train de manger avec les voyous de Marseille. Sa parole faudra plus rendre après ça. Sa carrière politique est terminée. Maîtresse se laisse la permission de minuit? J'ai un dîner de famille dans une heure. Mon père. J'adore cet endroit. C'est pas des promoteurs qui vont me bousiller la vue, je te le dis. Oh, je suis fatiguée. Et je ne peux plus du monde de fruits. Je suis obligée de m'ennuyer pour tout. J'ai même plus d'ordinateur. Je t'en fais porter deux à la permanence demain matin. Cadeau du conseil général. Rex le sait? À ton avis. Si tu veux, je continue à t'aider. Je vais la jouer fine. C'est pas vrai. Oh, les salauds.
Jérôme, appelez Arex immédiatement. C'est déjà fait. Je l'ai pas eu en direct, il est en réunion, il te fait dire qu'il est contrarié. Il s'attendait pas à ce que Cercia fasse cavalier seul aux législatives. Ouais, bien sûr. Oh, quel joli petit garçon, tiens. Tu tiens ta maman de côté, hein. Bien sûr. Pour qu'il ait droit à un monde plus juste, moins corrompu. Bravo, bonjour, je monsieur. Suis avec vous. Ah, Madame merci. Pia. Merci. Madame Pia. Oh. Permettez. Ce sont mes fleurs préférées, les pivoines blanches. Je le savais. Je vous embrasse. Et bravo, madame. Vous êtes la seule qui ose dire qu'ici, il y a une mafia. Vous, au moins, vous avez les couilles. Ah ben, je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment, mais en tout cas, merci. Ben, je compte sur vous pour voter, hein. Merci encore. Pas de problème. Merci beaucoup. Allez voter le 28, surtout, hein, mesdames. Madame Pia, je suis un ami de Charles Pasqua. J'aimerais vous apporter mon aide dans cette campagne. Je m'appelle Dominique Vescovelli. Bonjour, monsieur. Enchanté. Bonjour, madame. Votez bien, hein. Bonjour, madame. Hein. Vous allez voter pour moi, hein. Ah oui. C'est sûr, hein, vous me promettez, oui, hein. Allez, votez socialiste, c'est faire le jour de Yann Pia. Hein. Mais vous trompez pas de bulletin. Vous trompez pas de bulletin. Donne, donne les tracts, donne. Allez-y, hein. Vous aussi, votez bien. Vous allez quand même pas faire réélire cette salope qui vous a... Attention, Yann. Vas-y, vous voyez le type aux cheveux longs. C'est un frère Fargette. Tous les autres, ce sont ces colleurs d'affiches. Rien que des petits truands qui tiennent les boîtes de nuit du clan Fargette. Le message qu'ils font passer est clair. Tu soutiens Cercia ou tu vas avoir de gros ennuis. Mais cette femme vous trompe? Vous croyez qu'on change comme ça? Du jour au lendemain? Madame Pierre est une femme d'extrême droite. C'est une usurpatrice. Moi, je me suis mis en congé du DF parce que je suis la vraie droite. La droite sociale, la droite démocratique. On avait un accord, monsieur Cercia. Mais comment osez-vous diviser ainsi votre propre camp? Je ne suis plus dans votre camp. Je me présente seul, enfin. Façon de parler. Mais aucun homme politique digne de ce nom ne voudra s'associer à un bouffon. Le bouffon de Fargette! Vous pensez qu'il préférerait s'associer avec la bâtarde de Le Pen? Vous faites attention à ce que vous dites, monsieur Cercia. Vous ne me faites pas peur. Avec vos sbires, vous ne me faites pas peur. Non, je ne me salis pas les mains. C'est pas ce qu'on me dit. On sait ce que vous trafiquez avec ces enculés de Marseillais. Ça franchit la ligne jaune, madame la députée. Vous ne me faites pas peur. Il faut voter pour qu'on se débarrasse de ces voyous. Ferme ta gueule, Phil. C'est comme ça que vous parlez aux femmes? Je crois que... Mais ça va changer. Votez pour moi. Je vais vous débarrasser de ces voyous. Votez pour moi. On a retrouvé une grenade à l'intérieur. Elle n'a pas complètement explosé, elle devait être défectueuse. Une chance. Il n'y a pas de blessé? Non, les flics disent que la rue était déserte. À 5h du mat, ce qu'on fait ça, c'est avec les locaux étaient vides. C'est un avertissement, Yann. Je dirais qu'à vous. Vous avez l'impression qu'on a fouillé la permanence? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, dites-le. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Non, je pense à Perrin. Vous avez l'art de me remonter le moral. On dit qu'il avait des documents secrets quelque part. Des dossiers compromettants ont sûrement disparu après sa mort. Non, pas moi. Moi, j'utilise pas ce genre de méthode. Mais ça va, hein, je commence à comprendre comment ça marche ici. Moi aussi, je peux m'y mettre, hein, à monter des dossiers compromettants. Et Vescovelli, qu'est-ce qu'il fait ici? On m'a proposé d'être mon conseiller, il va écrire mes discours. Pourquoi? Oh, j'ai entendu parler de lui il y a des années quand j'enquêtais sur le sac. Il est dangereux, hein, croyez-moi. C'est une vieille histoire, le sac. Vous savez ce qui se dit dans le milieu? Qu'il y a un enregistrement de vous avec la pègre marseillaise qui circule. Vous auriez négocié 40 000 francs pour un incendie, 60 000 pour un attentat et 100 000 pour un contrat. On m'a proposé des photos à mon rédacteur en chef qui les a refusées. Mais attends, je rêve. C'est moi qui saute et c'est moi qu'on accuse? Un contrat? Mais un contrat sur la tête de qui d'abord? Du gros sergent Garcia, ouais? Pourquoi pas un contrat sur la tête de Fargette pendant qu'on y est? Bah oui, de Fargette, hein, c'est ce qu'il dit dans le milieu. Mais... Non, ça sent mauvais, faites gaffe. Demandez une protection. Non mais ça va aller. De Marquet m'a trouvé un garde du corps jusqu'aux élections. Ça va aller.
Je pense que c'est le moment d'aller plus loin. Il faut faire tomber la triade Arek, Cercia, Farjet. Il faut accuser nommément Farjet d'avoir la mainmise sur la vie économique et politique du Var, parce que si c'est vous qui le dites, Yann, les gens vous croiront. Je pourrais faire une réunion sur le thème de la pénétration de la mafia en France. J'essaierai même de faire venir quelques collègues de la commission parlementaire. Excellent. Et on la ferait où? À la Valette. C'est la ville de Farjet. Et encore toute sa famille, c'est une déclaration de guerre. Ouais. Non, je le sens pas, Yann. Ça risque de nous péter à la gueule, cette affaire. Yann, téléphone. Il faut qu'on leur montre qu'on n'a pas peur d'eux. De Valette. Ça va les minous? N'oubliez pas d'aller voter. Hein. Salut les garçons. Pas de bêtises, hein, pas de bêtises. Ah, final. Vous allez bien? Ça va. Vous avez vu ça? Cette pétasse? Elle a que des mots combine, trafic, mafia dans la bouche. Qu'elle nous lâche un peu, hein. C'est mauvais pour le commerce. Mais vous affolez pas, c'est pas pour Jeanne d'Arc, la conne. Elle entend des voix, elle me sauvait hier. Allez, à l'avenir. À l'avenir et à votre succès. Allez, viens, mon petit peu, là. Lâche-moi, lâche-moi. On devrait lui demander à elle où elle le trouve, le pognon pour sa campagne. Pas dans ce département, en tout cas. Où alors? À Marseille? Si elle croit qu'elle peut doubler son jette en donnant les clés du Var aux Marseillais, elle en rêve. Mais quel rêve? Et les journaux, qu'est-ce qu'ils foutent là? Hein? Qu'est-ce qu'ils attendent pour publier les trucs sur cette pétasse? Ils disent que les photos, c'est pas des preuves solides. Je vais la massacrer, cette poufiasse. Écoute-moi bien. Le premier qui se pointe à son meeting de la Valette, on l'éclate. C'est clair? Tes amis de la commission ont tous des réunions extraordinaires dans leur circonscription. Ils ne viendront pas, Yann. Bertrand à l'UDF a raté son avion. Sa secrétaire vient de m'envoyer un fax. Ritondal a une angine. Arek, c'est en voyage. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, Yann. On annule. Non. Là, je peux pas. Non, je peux pas. Mesdames et messieurs, madame Yann Pia. Bonsoir. Chers amis, merci. Merci à vous d'être quand même venus ici ce soir. C'est très courageux. Vous le savez, je suis venue dire non. Non à la peur. Non à l'intimidation. Non à la politique de non-droit. Arrête, maman. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman ? Sophie !
Marion et Sophie, ce sont mes filles. Et ça, c'est leur date de naissance. Vous direz à monsieur le préfet que s'il ne juge pas opportun de me protéger quand on balance une grenade sur ma permanence, ça m'est égal. Je n'ai pas peur de mourir. Mais je ne supporte pas l'idée qu'on puisse leur faire du mal à elles. Ce sont des menaces en l'air, madame. Des menaces en l'air? Mais ils ont déjà eu l'aîné avec la drogue. Et maintenant, ils veulent s'en prendre à la petite. On est dans le sud. C'est de l'esbrouf, madame Pia. Ça fait partie du folklore. Et ni vous, ni vos filles n'avez rien à craindre. On n'assassine pas une députée ni sa famille. Et puis je vous assure que si vous étiez réellement en danger, monsieur le préfet ferait le nécessaire pour assurer votre protection. C'est pour rire. C'est moi qui manque d'humour. Vous avez raison. C'est follement drôle. Je ne peux plus. S'il te plaît. Est-ce que tu te rappelles pourquoi je suis là? On va à Nice, chez le patriarche. Je les ai appelés, ils nous attendent. Tu pars demain matin tôt en Espagne. Et après en Amérique du Sud. Sevrage sans médicaments. C'est ça ou la prison. Les flics ont été très clairs après ta tentative de braquage. Et ça m'étonnerait qu'on te propose une cure de désintoxication sur mesure derrière les barreaux. Tu peux pas t'en sortir toute seule, c'est trop dur. Moi, je sais plus quoi faire. J'arrive pas à t'aider. Hein? Et puis ces salauds reviendront toujours te relancer. Là-bas, tu seras protégée. Hein? Tu serais avec des gens qui vivent la même chose que toi. Tu m'appelleras. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de te parler ni de venir te voir pendant quelques mois. Ça va aller? Je veux plus être au milieu. Ça me fait plaisir de te voir, Jean-Louis. Et moi aussi. Comment ça va? Tu vieillis pas, hein, vieille canaille? J'ai cru comprendre que tu allais faire ton comeback en France. C'est vrai? Bien, c'est par là. Eh ouais, bientôt 10 ans, hein. Il va y avoir prescription. Il est temps que je rentre au pays pour reprendre les choses en main. J'ai plein de projets. Assieds-toi. Tu connais Marco Malderi? Marco, c'est mon bras, mes yeux, mes oreilles en France. T'as vu comment il a réglé le problème Pierre Lavalette? C'est pas Blondel que j'ai vu avec vous. Si j'avais su qu'il venait te voir, on aurait pu faire le voyage ensemble. Hein? Il est là depuis 2 jours, oui. On discute de la meilleure façon d'implanter mes silos de ciment à Brégaillon. Il y a pas mal d'argent à la clé. La Chambre de commerce et le Conseil général ont voté en ta faveur. Tu le sais. Oui, oui. Je t'en remercie. Tu veux? Non, merci. Dis-moi, Maurice. T'aurais pas un petit quelque chose pour moi? Comment t'as deviné? Je sais à quel point le pays te manque. Je suis tombé dessus par hasard, chez un antiquaire. Bah, je reconnais l'endroit. c'est gentil, Maurice, c'est gentil de penser à moi. Ah, vraiment, merci. Merci. Faut que t'arrêtes de te moquer de moi, Maurice. Tu viens de prendre 1,5 million sur la construction de ta maison des ingénieurs à Toulon. J'ai rien vu passer. Demain, tu me fais porter du liquide. J'allais... Ta gueule! Tu te sucres sur le dos des entrepreneurs en te servant de mon nom pour leur foutre la trouille. Ça fait combien de temps que ça dure? Des années? T'as dû te mettre au moins 50 millions dans la poche, là. Alors? On veut pas, Maurice, hein, mais... T'invite pas à déjeuner, Jean. J'aurais
Geneviève, vous pouvez me taper ce texte? Oui. Je voudrais le prendre avec moi lundi. D'accord. Faites parvenir un double au maire de hier. Pas de problème. Et vous pourriez me trouver des articles qui ont paru à la mort de Perrin il y a 6 ans? Je vais essayer. Merci. Bonjour. 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 Eh bien, s'ils veulent la guerre, ils l'auront. J'ai rencontré la gérante d'une maison de retraite, Madame Philippi. Alors devinez qu'il a fourni en produits alimentaires. Le Portalet. Une société au nom de la femme et du fils de Cercia. Mais c'est lui qui dirige en sous-main. Jusque-là, rien d'illégal. Non. Mais j'apprends par elle que la plupart des maisons de retraite ont signé une convention avec les affaires sociales pour se fournir exclusivement au Portalet. Et c'est Cercia qui est aux affaires sociales. Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Exact. Et cette pauvre Madame Philippi est bien embêtée parce que si elle n'obéit pas, les affaires sociales lui retirent l'agrément et elle n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Ah, c'est intéressant. Je vais aller voir cette dame, je vais lui proposer mon aide. Elle a des preuves, un papier, quelque chose? Oui. On le tient, Yann. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, bon travail, Vesco. Porquerolles. J'y vais tous les week-ends. Ça vous cause un problème? L'air est pas très sain ici en ce moment. C'est vraiment pas la meilleure saison pour faire du bateau. C'est une menace. Non, tout au plus un conseil. On a déjà un candidat ici, monsieur Vescovani. Et c'est Joe Cercia. Tout notre programme est en place. Vous comprenez? J'ai un avion à prendre. Vous permettez? Ça serait dommage que vous le ratiez. Restez à Paris. Croyez-moi, vous y serez mieux. À partir de demain, tu vas dormir chez ta copine Agnès, je veux pas que tu restes ici. Non, non. Mais si je suis avec toi, tu vas gagner. Je te porte bonheur. Ouais, on verra. On peut venir, Mathieu ? Je vois personne ! C'est vraiment des branleurs, quand même. Allez, on y va. Allez, les gars. Salement une dernière fois. La combativité, le courage et l'honnêteté intransigeante de Madame Yalka. Elle est la seule candidate soutenue par l'UDF et le RPR. Qu'elle a à cœur de se battre pour vous tous. Et ce qu'elle veut, c'est un bar propre, libéré de la faim. Je veux pas de policiers. Le préfet a refusé notre demande. On est tous là sur le service d'ordre. Et on peut travailler librement. C'est eux qui vous menacent à l'aéroport. Il n'y a pas de soutien politique. Lothar est arrivé, je peux l'annoncer. Il s'excuse, il est coincé à Paris. Et Courton, pareil. Contre son propre camp, contre la droite. Chers amis, chers concitoyens, je vous le dis haut et fort, refusez.
forme d'action politique qui fait du clientélisme et de l'intimidation une règle de vie publique, de la corruption une méthode, car c'est le terrain préféré de la culture mafieuse. Moi, je ne suis ni corruptible, ni lâche, ni impressionnable. Mon combat à moi est simple. Aider le VAR. Nettoyer le VAR. Et battre la gauche. Et croyez-moi, nous allons gagner. Tous ensemble, nous allons gagner notre combat contre la fèdre. Faites-moi confiance, mes amis. Mathieu, emmène-la! Ah! Une députée Front National qui parle au nom du DF. C'est honnête, ça? Hein? Et moi, je te demande avec qui tu baisses. Je vais te montrer avec qui je baisse. Une bataille. Ah! Dégage! Après ce qui s'est passé, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Vescovali jette sans arrêt de l'huile sur le feu, là, il va de plus en plus fort, mais c'est toi qui en première ligne, merde. Tu t'es trompé de chemin. Tu t'es trompé d'heure. C'est pas ici que je t'attendais. Tu m'en veux? À l'UDF, personne ne s'est déplacé pour moi. Ils se sont tous défilés. Bon, je commence à avoir l'habitude, mais toi... Ce soir, j'aurais donné n'importe quoi pour que tu sois là. Avec moi. J'ai reçu des menaces. Un Rex m'a ordonné de ne plus te soutenir, d'arrêter de travailler pour toi, de plus écrire une ligne pour toi. Alors, si je veux rester en bonne santé, il faut que je joue dans le même camp que tout le monde, le camp de Cersia. C'était clair qu'il me faisait passer un message de Fargette. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas l'intention de t'abandonner, Yann. Je vais continuer à t'aider, mais je dois le faire discrètement. Courage. Tu vas gagner les élections. Et tu les sauras. Hein? Arex, Fargette, les femmes qui te croient libre ou à qui tu le laisses croire. On fait beaucoup de monde entre nous. Tu trouves pas? Je voulais que t'aimais le secret. Que ça pimentait notre histoire. Je suis là, Yann. Je serai toujours là pour toi. Mais moi, peut-être pas. Ça vous intéresse de voir les photos que j'ai prises hier soir à votre meeting? Vous reconnaissez qui dans ce groupe? Lucie Maldéry, c'est le lieutenant de Fargette en France. Lui, c'est Labadi. Ah. Ouais. Là, c'est le frère de Fargette. Ouais, on le voit mieux. Voilà. Il a les cheveux longs. Oui. C'est Pericolo. Lui, il tient une boîte à la garde. Et ceux-là, ils collent des affiches pour Cersia. Il y a aussi...
que vous passiez un communiqué dans votre journal. En tant que citoyenne et en tant qu'élue, je dénonce la violence organisée, qui est un danger pour la démocratie, et je déclare que je porte plainte contre X, pour revendiquer mon droit à l'expression. On vient d'apprendre la mort de Jean-Louis Fargette, appelé aussi Le Grand, à Bordighera. Le parrain toulonnais réfugié en Italie a été abattu d'une rafale de mitraillette alors qu'il rentrait... Ah bah je vais peut-être pouvoir souffler un peu maintenant. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Attends, tu vas voir qu'ils vont mettre ça sur le dos. Ah, depuis Marseille, ça devait m'arriver. C'est un cauchemar. Pourquoi tu dis ça? T'es complètement idiot. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Bon, je veux plus chez Agnès, fais demi-tour. Ah non, 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 je veux pas te voir à la maison en ce moment, je prends pas ce risque. Je reste avec toi. Non! Qu'est-ce que tu fais? Sophie, reviens! C'est moi la mère, c'est moi qui décide! Reviens! C'est trop dangereux, chérie. Monte, je t'en supplie, monte. Allô? On va te faire la peau, salope. Il y a un contrat sur ta tête. On aura ta peau et celle de ta fille. Téléphone si tôt. Rien. Quelqu'un pour le travail. Décroche-toi! Tu veux pas répondre? Non. Maman, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai horreur qu'on me dérange à la maison. Ils rappelleront la permanente. T'as des problèmes avec Marc? Morte, si les journaux s'y mettent aussi. Ah, je sais, je l'ai. Ceci est une révélation. Jean-Louis Fargette avait appris qu'un candidat avait commis l'erreur d'aller voir des plus noirs que loirs du milieu marseillais. Qu'est-ce que je peux faire? Les attaquer? Non, non, il y a juste des insinuations. Ils font leur métier de journaliste en évoquant la rumeur. Mais c'est malhonnête, c'est crapuleux. Moi, j'appelle ça de l'incitation à la violence. Ils sont inconscients ou quoi? Il faut qu'ils écrivent que ça repose sur rien. Il faut que je me défende, il faut que je fasse un démenti dans la presse. Non, mais ça n'arrange rien. Bon, on se calme, d'accord? Ça va. Essayez-vous, je dois avoir un petit fond de bouteille dans un tiroir. Oh, j'ai pas rien avalé, j'ai la gorge jouée, je sais pas. Vous en êtes toute votre enquête sur l'assassinat de Perrin? Il avait reçu des menaces, lui aussi. Oui, sa femme a fini par me l'avouer. Elle avait tellement peur d'y passer qu'elle n'a pas osé parler pendant toutes ces années. On avait proposé une grosse somme à son mari pour qu'il arrête de faire des vagues. Perrin était un mec bien, il a refusé. Le lendemain, il était mort. Il faut que vous publiez cette histoire. Il faut que cette fois, le préfet me prenne au sérieux. Mais j'ai pas encore assez de preuves. Attendez, mais le préfet, il vous a pas mis sous protection policière? Ouais, tu parles. Mon téléphone est sur écoute, et il y a une ou deux patrouilles devant chez moi. Qu'est-ce que ça va changer? Et pour couronner le tout, le procureur ne donne même pas suite à ma plainte. Il prétend qu'il peut pas identifier ceux qui ont perturbé mon meeting. Il est bien le seul dans toute la ville à pas savoir qui c'est. Je serais plus rassurée si j'avais une arme. Est-ce que vous pourriez m'aider à m'en procurer une? Une arme? Oui. Quoi, pour vous défendre? Bah oui, évidemment, pas pour aller les attaquer. Ah non, attendez, c'est pas une bonne idée. Non, mais tire plus vite en face. C'est la prochaine édition? Ouais. L'enterrement de Fargette? C'était un enterrement de chef mafieux, digne de la Camorra. Avec toute la pègre de la Côte d'Azur, d'Italie d'ailleurs. Costume sombre, lunettes noires. Il y a des moments où j'ai presque envie de perdre les élections. Que ça finisse tout ça.
Yann, vous êtes en tête. Ouais. Vous avez gagné. Attends, c'est encore qu'une approximation. Quelle est la marge d'incertitude? Pas assez importante pour changer la donne. 48, et puis la troisième circonscription, la triangulaire. Donc Yann Pierre vient de la prendre et réélu. Elle est en tête. Merci à la longue cul, là. Hey, ils vont voir maintenant que j'ai pas de légitimité. Hein. On a gagné. Je voudrais rendre hommage à Jérôme de Marquet, Dominique Vescovalli et Philippe Giraud qui ont dirigé ma campagne. Mes amis, je vous dédie cette victoire. Mes félicitations, madame Via. Cette maison est la vôtre. Ah, oh, pas encore, mon cher Ricandal. Merci pour votre soutien et votre loyauté. Mais... Excusez-moi. Je les ai eus. Oh, Joe, bonjour. J'ai appris que tu fermais ton bar. J'ai fait faillite. Enfin, on va pas en parler maintenant, ça va gâcher ta fête. Hein? Passe, hein. Passe un de ces jours, je verrai ce que je peux faire. Je me réjouis de votre succès, Yann. La région compte sur vous, l'UDF aussi. Et vous? Ça va sans dire. Vous vous souvenez que je vous ai ouvert les bras le premier, si j'ose dire. Écoutez, c'est merveilleux, je n'ai que des amis ce soir. Alors, à la vôtre. À la vôtre. Bonsoir. Proposition à te faire. Voilà, je vais prendre le contrôle de plusieurs bars. J'ai aussi en vue deux ou trois boîtes de nuit et ça vous dirait d'en avoir la gérance, toi et tes copains? Vous seriez casés comme ça. Et je sais que je peux avoir confiance. Tu peux. Mais d'abord, il faut qu'on se débarrasse de quelques personnes qui gênent. Combien? Trois hommes et une femme. Tous plus ou moins mouillés dans la mort de Fargette. Ça serait une manière de le venger. Tu sais comme j'ai été ami avec le grand. On était ensemble à l'école. Je sais aussi l'admiration que vous aviez pour lui. Sa mère, tu l'as coulée, Micheline? Bien sûr. Elle a été une grande copine à ton père autrefois. Et même un peu plus que ça. Écoute, j'en parle aux autres et je te dis ça. C'est bien. En ce qui concerne le bâtiment, il est prévu un agrandissement de 6 000 à 10 000 m². Il faudra bien sûr dédoubler les parkings, créer un chemin de roulement et faire de nouvelles pistes si on veut obtenir le statut d'aéroport international. On est sur une base militaire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Léotard est devenu ministre de la Défense. Il est maire de Fréjus. Il a tout à y gagner pour sa ville, lui aussi. On n'aura aucun problème. Si vous voulez bien me suivre. Maurice. Ouais. J'ai fait faire une étude de mon côté. Ah, moi aussi, je suis consciente que le Var a besoin de se développer économiquement. Mais ce chantier me paraît disproportionné. Pour venir sur Terre, hein? On n'est pas en Californie. Je vous rappelle que nous avons en projet la création d'une technopole. Ça va attirer beaucoup d'entreprises. Ah ben justement, parlons-en de la technopole. Je crois que c'est un entrepreneur proche du Conseil Général qui a acheté les hectares de forêt que vous avez prévus pour l'emplacement. Si mes renseignements sont exacts, il les a eus pour une bouchée de pain. C'était pas constructible à l'époque. Je sais pas, c'est possible. Si, si. 1 franc le mètre carré. Ah, il a fait une grosse plus-value pour vendre le terrain. Vous en avez beaucoup des dossiers comme celui-là? J'en ai plein mon coffre, Maurice. Plaisante. Pour l'aéroport, je vous laisse ce choix. C'est avec moi ou sans moi. Si c'est sans moi, ça va être la guerre. Il n'est pas question de vous écarter, ma chère Yann. Vous aurez toujours votre mot à dire. Alors, il va falloir revoir le budget à la baisse et tout faire dans la transparence. Si
Ces images ont été prises par une caméra de surveillance. Nicolas, je vois rien. La victime était un proche de Jean-Louis Fargette. Comme ça va. Cela fait un an maintenant que la pègre se dispute la succession de l'ancien parrain du Var. Ses lieutenants sont tous éliminés, parfois en pleine rue ou en plein jour, au milieu des passants, comme ici. Ces bars, ces discothèques sautent les uns après les autres. Hier, les palmiers sont devenus depuis des mois, hier, les boules. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à mon bar? Je fais quoi, moi, maintenant? Ça sert à quoi, la police, dans cette ville? Écoutez, on va s'en occuper. Je vous promets, comptez sur moi, on va s'en occuper. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Non, c'était le jour de fermeture, heureusement. À qui le tour, maintenant? Il n'y a pas un commerçant en sécurité. Trop, c'est trop. La ville de Hyères détient le triste record des exécutions, des incendies et des attentats à l'explosif. À défaut d'hommes forts, il faut une femme de conviction et de détermination, avec la rage au cœur en plus, eh bien je serai celle-là. J'ai demandé audience à monsieur le ministre de l'Intérieur, afin que l'ordre républicain soit restauré. Il est temps de mettre un coup d'arrêt à cette dérive qui menace notre liberté. Et à quoi a servi le rapport de la commission anti-mafia, madame la députée? À alerter le gouvernement. C'est pour ça que je veux rencontrer monsieur Pasqua. La commission a montré que la pègre tire sa puissance et son impunité de ses liens avec la classe politique. Toute volonté de la réduire passe donc par le chemin d'une reconquête politique. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Briguer la mairie de Hyères. Mais les députés sont trop loin du terrain. Le vrai pouvoir, c'est les maires qui l'ont. Ils ont le pouvoir, entre autres, de modifier le plan d'occupation des sols et d'accorder les permis de construire. Et moi, je veux lutter efficacement contre la spéculation immobilière sur le littoral. Quelle sera votre liste au municipal, madame Piat? Oh ben, je ne sais pas encore avec qui je m'associerai, mais je sais contre quoi je veux lutter. La criminalité, la corruption, la drogue, qui détruit la jeunesse hyéroise, et le chômage, qui atteint le record impressionnant de 17%. Et vous pensez pouvoir battre Léopold Ritondal, qui est... très, très populaire ailleurs. J'ai fait faire des sondages et ils me donnent gagnante à 65%. Donc, ce n'est pas impossible. Pesco ! Pesco ! Allez, on va pas se fâcher, j'ai déjà assez d'ennemis comme ça. Bon, c'est vrai, je suis pas toujours très diplomate. Je voudrais que vous acceptiez d'être le second sur ma liste municipale. Arrêtez de jouer au con avec moi, hein ? Vous croyez que j'ai pris tous ces risques, que j'ai activé mes réseaux pour être le second, encore une fois, pour vous passer les plats ou vous serrer les pompes? Mais je croyais... Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est pour vos beaux yeux? Je veux Hyères. Hyères sera au RPR. Et vous jouerez les sous-fifres, madame, pour une fois. Certainement pas. Mais toute seule, vous n'êtes rien. Si j'étais vous, j'y réfléchirais deux fois avant de me mettre le RPR à dos. Moi aussi, j'ai demandé à voir Pasqua. Pauvre conne! Merci. Je peux vous renseigner? Je cherche une maison de convalescence Soleil Ado. Pas du tout par ici, c'est dans l'arrière-pays. Vous êtes trompé de route. Ok, merci.
bien, s'il vous plaît. Ah, bonjour. Bernard Gasparini, chef de cabinet de M. Pasqua. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous avoue que je suis un peu déçue. Ce qui se passe dans ma circonscription est extrêmement grave. Hein. Et je pensais que je pourrais m'entretenir avec le ministre en personne. Il m'a chargé de gérer les relations avec les parlementaires. Si vous voulez bien me faire part de vos inquiétudes. Monsieur Gasparini, il ne s'agit pas d'un petit problème local. Il me faudrait autre chose qu'une oreille attentive et des paroles d'encouragement pour lutter contre la violence et le banditisme. Le ministre de l'Intérieur doit prendre rapidement des mesures énergiques. Je lui ai déjà écrit à ce sujet, mais sans obtenir de réponse. Malheureusement, il ne pourra pas se libérer. Tout est là. Ça, ce sont les attentats en pleine rue, les incendies, les règlements de compte. Sans parler de la grenade lancée sur ma permanence et des menaces de mort dont je suis régulièrement l'objet. Ça, ce sont des affaires de corruption qui pourraient également intéresser le ministère de la Justice. Pourquoi me le donner à moi plutôt qu'au garde des Sceaux ? Mais parce que tout est lié. Pour assainir la vie politique, il faut lutter contre la mafia. Certainement, mais ça va prendre des années. Pas forcément. Dans un an, ce sont les municipales. Je peux être très utile ailleurs. J'ai besoin du soutien de M. Pasqua pour me présenter. Quand il aura lu ses dossiers, j'ose espérer qu'il nous l'accordera. Bien, faites-moi confiance. Je ferai suivre. Merci, Madame Bia. Au revoir, Madame Bia. Tiens, vas-y, prends-moi. Alors, allez, monte. C'est les travaux de l'aéroport. Quoi ? Ils ont tout choisi sans moi. Architecte, le maître d'œuvre, évidemment. Oh, pas le moindre appel d'offre. Prenez-moi rendez-vous avec la direction générale de l'aviation civile. Ils vont entendre parler de moi, croyez-moi. Ah, les salauds ! Badadur veut un gouvernement resserré, sans secrétariat d'État. Je suis désolé, Yann, j'ai rien pour vous. Mais ça peut changer plus tard, avec le temps. Mais pour l'instant, il faut attendre. Ce sera trop tard. J'espérais pouvoir sortir du guépier d'hier par le haut en sauvant la face. J'ai pas envie qu'ils s'imaginent que je fuis parce que je meurs de trouille. C'est à ce point ? Oui. Hier est à feu et à sang. Et tout ce que le directeur de cabinet de Pasqua me propose, c'est 10 flics. Et encore, condition que Crétondale accepte de les loger. Ils se foutent de moi. Et ils se donnent même pas la peine de le cacher. Et ceux qui ont voté pour moi dans le Var, je leur dis quoi ? Laissez tomber, Yann. Venez vous installer à Paris. Vous êtes brillante, énergique, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a aucune aide à attendre, alors ? Tout le monde me laisse tomber ? Tu t'écrases ou tu y passes, c'est ça ? Toutes ces années où je me suis battue toute seule, pourquoi ? Toutes ces années perdues. J'ai sacrifié tellement de choses. J'ai l'impression d'être fait avoir par tout le monde.
tellement beau ici. La vie a l'air facile. Le portail est bloqué. Tu crois quelqu'un a coupé les fils? Je t'accompagne jusqu'à la porte. Viens. Hélène, le portail est bloqué, t'as remarqué quelque chose? Non, j'ai rien remarqué hier. Non? Non. Pas de bruit? Pas de bruit. À demain? À demain. J'en ai marre d'avoir peur. Je t'ai fait mener une drôle de vie, hein. Cette fois, c'est fini. J'arrête. Tu me jures? Ouais. Mais toi, tu serais prête à quitter la côte? Mais bien sûr. Mais c'est toi qui veux partir. Ah si. Je veux plus rester. Mais toi, tu regretteras pas tes copies? Je m'en ferai d'autres. On a droit à un peu de paix, non? C'est Yann. J'ai peur. Il faut que tu viennes dormir chez moi. S'il te plaît, décroche. Je peux pas dormir tout seul. Marc, je sais que t'es là, décroche, s'il te plaît. Je t'en supplie, viens. Je t'en supplie. Yann! 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 Qu'on annule tout. Je resterai à côté de toi pendant que tu te reposes. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Anne Berthaud à l'appareil. Si vous êtes là, Yann, ne décrochez pas. Écoutez-moi. Sinon, je raccroche immédiatement. C'est ridicule de continuer à me rappeler que je suis votre mère après toutes ces années. Nous sommes deux étrangères. Cessez de m'importuner. Nous avons chacune notre vie et c'est très bien comme ça. Je ne veux pas vous parler, ni vous voir, ni vous lire. Ah, tu veux pas me voir? Ben, tu vas être bien obligé de te rappeler que j'existe. Elle va le voir sur tous les murs, peut-être.
Elle entendra la radio, tous les jours, la télé, partout. Il est où mon sac? Il est là. Bon. Ça s'est passé de la même façon à la fermeture du chantier naval. Perrin ne voulait pas délocaliser, il voulait que la reconversion économique profite à la ville, à tous ces mecs qui sont au chômage. Du coup, il empêchait la pompe à fric de fonctionner comme prévu. La chambre du commerce et le conseil régional avaient trouvé un emplacement à Signe sans aucune infrastructure. Le désert. Acheter une bouchée de pain revendue au prix fort, l'arnaque. Perrin est écrit son désespoir dans les ministères. Et, ça vous rappelle rien. Un mois après, il était mort. Mais son tort, c'est d'avoir rien dit, d'avoir attendu. S'il avait divulgué ce qu'il était en train de découvrir, qu'on faisait des surfacturations, qu'il y avait des détournements, des subventions européennes, qu'on faisait des spéculations sur les terrains, ça l'aurait protégé. Bon, c'est quoi le deal? L'aéroport. Je sens qu'on pourrait. Dites-moi ce que vous avez découvert. On fait éclater le scandale. Alors oui, il y a des gens placés qui vont être mouillés, mais vous, aurez moins d'un seul mot. Merci pour votre gentillesse. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Rien. J'avais envie de te voir, c'est tout. On peut aller au cinéma ce soir avec Agnès à la garde? Oui, si tu veux. Et je vous rejoins après la séance. Ouais. On ira manger une pizza. Hein? Bon, je te laisse parce que mon rendez-vous vient d'arriver. Adieu, ma fille. Ce soir? Ce soir. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Moi, je suis très intéressée par votre parcours politique. Mais je vous préviens, si on travaille ensemble, il faudra que vous soyez disponible 7 jours sur 7 pendant ma campagne pour les municipales. Et ça risque de ne pas être une partie de plaisir. Venez dans mon bureau. Allô? Yann. Marc? Oublie la mairie. J'ai peur des représailles, attends un peu que ça se tasse. Toujours courageux. Tu sais quoi exactement? Ils laisseront pas gagner cette fois. Tu serais trop gênante. Rien de nouveau sous le soleil. Mais d'être prudente. Ça va? Je suis gelée.
rechercheront les assassins, nous les traquerons, quels que soient d'abord ceux qui ont commis le crime naturellement et ceux qui l'ont commandé. Quel que soit le niveau où ils se trouvent, personne ne doit être à l'abri. Sur cette petite route du monde des oiseaux, nous avons tous été visés. Ça va. Je suis innocent. Les citoyens, les élus, les policiers, la justice. Il n'y a pas de mafia dans ma ville. Une certaine idée que nous avons de la démocratie, du droit, de la liberté. Tous ces mots sont signés du sang d'une femme. Je suis très heureux d'être entendu. Si je peux aider la justice, tant mieux. Plus tard. Pardon. La douleur, l'inquiétude, la honte aussi, la tristesse, l'horreur, la colère, la fidélité aussi. Tous ces sentiments nous habitent et nous déchirent. Mêle en nous empêchant peut-être de faire silence pour faire respecter une femme disparue, faire silence parce que ce jour est un jour d'effroi. La mort d'une femme, c'est la victoire de l'hiver.